Merci mon Sancho, coucou Ragna, coucou Céline. Comment allez-vous? Donc normalement il est censé y avoir Mori, j'ai ping Mori sur Twitter, mais elle a pas l'air d'être disponible. Oui, c'est des sang-froid, bah, c'est des bébêtes. C'est des bébêtes. Je vais juste vérifier que j'ai pas oublié une de tes photos, ce qui est possible. Un cavalier terminé. Non, non, c'est ça, un cavalier terminé. Tu vas pouvoir acheter plus que du riz à manger cette semaine. Oh. Alors, regardons un petit peu les figues de Céine. Regardons ça. Qu'est-ce qu'on a de beau? Qu'est-ce que je peux commenter? Qu'est-ce que je pourrais te commenter, sachant que j'ai vu les nouvelles, enfin les prochaines figues que tu es en train de faire, donc elles sont quand même un niveau au-dessus. Elles sont quand même un niveau au-dessus. Bah, clairement, de ce que je vois sur la figue, là, surtout là, bah là, il manque quelques assombrissements en fait sur tes griffes. Un peu de travail sur tes griffes. Sur tes parties os, je trouve qu'il manque un peu de travail là-dessus. Sur ton verre, je dirais que sur ton verre, c'est à peu près pareil sur cette fille. C'est-à-dire que, comment dire, j'assombrirais légèrement plus en dessous pour au niveau du cou. En fait, toutes les parties qui sont au niveau des ombres, là, ne sont pas à la lumière. J'assombrirais légèrement plus pour donner un contraste. Pour donner un contraste sur ta figue, bah ton or, ce serait pareil. Je vois que ouais, c'est comme tu dis, c'est du tabletop, donc je pense pas que tu as passé, je pense pas que tu y aies passé beaucoup de temps. Mais pareil sur ton or, je trouve que ça manque un petit peu de d'un petit lavis sépia, d'un petit lavis marron noisette ou sépia pour y faire ressortir. Qu'est-ce que je peux te dire? J'aime bien les petites plumes. J'aime bien les petites plouploum. Les plouploum, elles sont bien. Sinon, qu'est-ce que t'as d'autre? Qu'est-ce que je peux te dire d'autre? Bah, le bouclier, peut-être faire ressortir un peu plus le bouclier. Alors, faire ressortir un peu plus le bouclier. Et peut-être le bleu, concrètement. Le bleu, ouais, retravailler un peu bleu. En fait, t'as un peu de mal. Alors, j'ai pas vu sur les nouvelles filles. Mais t'as un peu de mal, en fait, à faire une délimitation entre la peau de la créature et la chitine, en fait. T'as un peu de mal à faire les deux, concrètement. Mais bah sinon, ça va. Hein. Sinon, si c'est du tabletop, ça va. Hein. Je te dirais, ouais, un peu plus le socle aussi. Un petit brossage en plus sur le socle pour le faire ressortir. Pour le faire ressortir. Mais sinon, ça va. Hein. C'est pas dégueu. Pas dégueu par rapport aux premières. C'est pas dégueu. On va passer sur qui ensuite? Ah, attendez, Maury? Bonsoir. Attends, je vérifie qu'on t'entend bien, que je me suis pas raté. Redis bonsoir pour voir. Non, c'est bon, on m'entend. C'est bon? Alors tiens, regarde, on est sur les photos. Alors dites bonjour au mauvais flic. Hein. C'est elle qui va faire le mauvais flic ce soir. Tu Alors, me dis si qu'est-ce t'as que besoin c'est que que je ça? zoome ou pas. Oh, c'est vieux ça comme fille. Ah, ça, c'est du cavalier Saurus. Tu sais, hein, c'est Crocro nouveau, c'est Games Workshop, c'est Crocro nouveau. Ouais, si on Les figues, elles étaient déjà vieilles quand j'ai commencé le hobby, donc tout va bien. Ah, tiens, d'ailleurs, tu recevras jamais la Morati de la Momo d'Aldrea, c'est moi qui l'ai à l'appart. Ouais, t'inquiète pas. De toute façon, je peins plus, donc. Écoutez-la, celle-là, elle peint plus. Bah écoute, Elle préfère jouer à Genshin Impact. je fais ce que je veux. Alors, voyons voir ça. Moi, personnellement, ce que j'ai dit à Céline, c'est que les griffes, C'est faut que tu taffes un Céline. peu plus. Ouais. Ouais, c'est Céline. Faut les taffer un peu plus et. Ah, un petit peu de brossage, ça serait parfait.
et qu'il a encore du mal à faire les délimitations entre la chitine Pour et la donner un chair. peu pour donner un peu de relief, un petit peu. Vous sentez comment elle est fatiguée? C'est-à-dire qu'elle ne me reprendra pas si je fais des blagues nulles. Bonsoir, Lewin! Ah mais je vais te reprendre, bien sûr que si. Et merde. Et donc, on a qui ensuite? Après Céline, qui c'est qu'on a? Ah oui, alors là c'est Lexan. Et avant, Ouais. c'est Cyrus Nosorus. On va faire Cyrus. Donc, Cyrus, là d'abord, on a la fixe sous couchée. On voit qu'il y a un soc qui a très travaillé. Oh! Ragna qui a offert un abonnement de niveau 1 à Céline. Merci Ragna pour l'abonnement offert. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc là, on est sur la figurine sous couchée. Ouais. Et là, on est sur. Donc j'ai trois photos sur la figurine terminée. Alors moi, en tant que Blood, je vais d'abord faire un premier retour. C'est quoi comme type de Blood? Parce que c'est pas un compagnie de la mort. Si je me base sur le schéma officiel, c'est pas un compagnie de la mort. Et Qu'est-ce c'est qu'on pas un s'en Blood. fout? Et Non mais. depuis quand le schéma officiel c'est important? Chacun peint comme il veut, Mais mince elle va quoi. me taper, hein. Mais je peux finir ma phrase. Là, pour l'instant, je donne mon. Oh, je peux Et donner. si le gars a envie de jouer des ultramarines rose bonbon, il les joue ses ultramarines rose bonbon. Mais je. Mais laisse-moi finir! C'est Oh, toi qui m'as zut! invité, tu savais à quoi tu t'attends. Tu veux te battre? C'est bien qu'on est plus efficace quand on fait équipe. Vas-y, mets ta caméra, on va se battre. Viens, regarde, viens, je te mets à gauche, comme ça on se bat. Et tu sais bien que j'ai pas la caméra. C'est bien Tiens, que je j'en ai te pas de poke à travers la caméra. caméra, tiens. Je mets un doigt dans l'œil à travers la caméra, Non, en vrai, bah, c'est un compagnie de la mort. C'est juste, en fait, je comprends pas trop le pourquoi de la lumière Attends, rouge. attends, 2 secondes, 2 secondes. Pardon, Sancho, Oui, tu ils ont te fous de ma instauré cette gueule? règle. Non, ils ont instauré cette règle. Non, non, pour le coup, ils rigolent pas. Je sais pas si elle pleure ou si elle rigole. J'arrive pas à savoir si elle pleure ou si elle rigole. Beaucoup Alors, sucré. je rigole, mais au fond de moi, je pleure. Oh, Alors, putain. donc, en fait, ce que je ne comprends pas sur la figurine, c'est le pourquoi de la lumière rouge, en fait. C'est le pourquoi c'est pas commun pour éclaircir du noir. Donc c'est pour ça que je ne. Ouais, vas-y, 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 mon Ragna. Vas-y. Vas-y, mon Ragna. Mais donc je ne comprends pas le pourquoi de la lumière rouge. Alors peut-être pour les gemmes. Pas. Mais sinon, bah, en soi, c'est du Cyrus, hein, et Cyrus peint bien, hein, c'est pas un mauvais peintre. Donc Cyrus peint bien. Déjà, c'est une des Ah rares oui, personnes que je non. connais être capable de faire du jaune sans se merder. Hein. Non, franchement, c'est assez propre. Il y a pas mal de lining et tout. Moi, la C'est seule ce chose qui. que je comprends pas, comme j'ai dit, c'est les lumières rouges. C'est tout. C'est quoi ce que tu appelles les lumières rouges? Les linings rouges, en fait, qui sont posés de façon à ce qu'on regarde bien, c'est des angles de lumière, en fait. Et Ouais, je sais pas. c'est juste ça que je ne comprends pas. Mais Ouais, moi je trouve que sinon. ça donne un effet. Moi je trouve que ça donne un effet qui est pas dégueulasse. Et on voit bien là le petit plasma là qui est bien fait. Qui est fait sans technique d'enfoiré comme moi, mais qui est bien fait. Moi, j'utilise une technique de salopard, mais c'est bien fait. On voit qu'il s'est Est-ce que pas chié. tu utilises une technical, c'est ça? Non, blanc double la vie.
Technique de salopard. Oui, là, tu rajoutes un petit brossage par au-dessus, puis c'est bon. Technique de salaud. Non, tu peux même faire pire, c'est que tu brosses dans le frais, c'est-à-dire que ton brossage va se salir avec ton encre. Et donc non, bah pour moi, Cyrus, si je te dis, enfin pour t'améliorer, si je peux te donner des choses pour t'améliorer concrètement, bah vu au niveau où t'es, ouais, ce serait de bosser un peu plus ta figue en fait. Vu au niveau où t'es, ce serait d'aller plus loin dans ta figurine en fait. Simplement. Ce serait de donner une ambiance à ta figue, mais. En vrai, tu as atteint un niveau où, à part pinailler, c'est-à-dire que, ouais, à part pinailler, peut-être, bah voilà, tes parchemins, il n'y a pas les écritures dessus. Tu aurais pu te casser un peu le cul et prendre un pinceau et faire des traits de noir dessus pour faire des litanies. Concrètement, tu aurais pu, ouais, faire ça pareil. Ici, sur l'épaulette de droite, écrire un mot, tu vois, genre Bob. Tu aurais pu l'appeler Bob. Aïe aïe aïe. C'est une sorte de freehand, ouais. C'est rien qu'écrire en fait sur tes parchemins, c'est déjà du freehand. Mais oui, tu connais rien, toi, Ragnar. De toute façon, tes scavens, ils vont finir roses. Et toi, tu vois quelque Et chose, Tati? de quoi sur Non, rien de. Non, franchement, c'est propre. Alors bon, j'ai pas les photos, ce qui fait que je suis condamné à être à regarder depuis le stream, mais bon, c'est pas mal. Il aurait pu écrire Alors, Sigmar quand même. non, bah non, pas Sigmar. Donc là, si je dis pas de bêtises, ça c'est les figues de Lexa, si je dis pas de bêtises. Attends que je vérifie. De toute façon, il n'y en a pas beaucoup, hein. Donc ce soir, ça va être un stream, on verra sur quoi je termine, mais. Ah, les photos sont sur le Discord. Non, elles sont par mail chez moi. Oh, ça c'est du beau, branchu. Ça c'est Alors ça 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 on voit la ça, ça poussière. c'est pour Si tu regardes bien, hein? on voit la poussière. De quoi on voit la poussière? Regarde. Là, on voit les filaments de poussière sur l'épée, sur le. Ah ouais, ah ouais. Et bah alors, Oui. Lexa, on prend des photos dans des endroits poussiéreux? Bon, tu me diras, c'est l'endroit où doivent finir tous les elfes, hein, au fond de la cave, dans des endroits poussiéreux, mais. Oh, ça faisait longtemps. Alors, Là, il y a de quoi dire. Je dirais travailler un peu plus le bois de façon à faire ressortir. Après, vu la lumière, ça va peut-être cramer les couleurs, mais faire ressortir un petit peu plus le bois. Pareil, l'épée dans des tons trop proches, en n'y a fait. pas les photos de Lexan malheureusement sur le Discord. L'épée est dans des tons beaucoup trop proches pour moi. L'épée dans des tons proches, bah non. Bah, en fait, il n'y a pas. Pour moi, si tu veux, on ne voit pas la différence entre l'intérieur et l'extérieur de l'épée, quoi. C'est des tons un peu trop proches pour moi. Ouais, enfin, il n'y a pas besoin de différencier, enfin. Après, le socle est bien travaillé, mais ça, c'est le propre de Lexa, c'est que c'est un arnaqueur, Lexa. C'est-à-dire qu'il va choper des bouts d'écorce Ouais, dans mais le parc juste à côté. c'était le socle, c'est 80% de la figue, Je donc sais, je sais, il a mais. raison. Il a raison. Et puis si Mais vous Lexa revenez n'achète pas demain, ses. je dirais que le socle c'est 90%. Donc Et après-demain, c'est pas 100%. peut-être pas déconner. 99,9. Non, en tout cas, ah, voilà, de dos, déjà, là, je préfère un peu, parce que là, on voit mieux avec la lumière, on voit qu'il a travaillé les choses, je pense que c'est la lumière qui crame la figue, en vrai. Oui, il y a un très beau dégradé, un très beau dégradé automnal. Non, non, franchement, ouais. Franchement, ouais, il y a un.
En Si je vrai, peux je te donner pense que. un moyen de Attends, t'améliorer. attends, Ah, attends, pardon. attends. C'était. En fait, je pense que c'est son vernis qui a fait des peluches. Ah, S'il a peut-être. verni sa fille. Je crois que c'est le vernis. Peut-être. J'allais te dire, ouais, si tu veux enlever les peluches, la prochaine fois, investis dans une brosse à dents usagée et tu la passes à la fin. Ça virera les peluches. Ouais. Vraie technique, hein, j'en ai une aussi. Vous avez entendu, hein, j'ai dit investi dans une brosse à dents usagée. Oui, bah la prochaine fois que tu changes de brosse à dents, tu Voilà, nettoies c'est... celle Non que mais oui, tu la il y a le... nettoies et puis basta. Il y Tu a la le terme recycles. investir dedans, tu vois. Investissez dans une brosse à dents usagée. Oui, mais t'es un nain, toi, c'est avec le langage de l'argent que tu maîtrises. Argent! Pognon! Argent! Putain, et là, qui me fait l'accent juif, le con. Ah! La vérité! Donnez l'argent au Steam! La vérité! Ça raye pas la peinture, Ragnar, en fait. C'est... Si ta peinture est sèche, voilà, comme... Enfin, faut pas non plus appuyer avec le manche de ta brosse à dents. Bien sûr, si t'appuies avec le manche, tu vas la péter, ta peinture. Mais juste si tu passes Voir juste ta figue. les... Si tu passes juste les poils dessus, ça va rien leur faire. Non, toi, tu pourrais faire soutenir cette accent, Sancho. Hein, ça te rappelle ta tante. Encore Asté, plus. qu'est-ce que je t'ai dit la Oui, dernière mais il a fois? vraiment une tante qui est des îles, donc je suis obligé de l'embêter avec ça. Mais bon. Donc ouais, bah après, pour t'améliorer, ouais, faire un peu plus, je dirais, ajouter peut-être des couleurs de transition dans ton jaune orangé, rouge orangé, là, ton jaune jaune rouge orangé, là, mettre une petite couleur de transition entre là où il y a ma souris, ici, là, précisément là, pour le coup. Ah, on voit que t'as dépassé ici. Pas bien. Ici aussi. Non, mais en Oui, soi. enfin, on n'a pas parlé des dépassements de Céline, on va pas parler des dépassements de Lexane non plus. Je parle des dépassements de qui je veux. C'est une justice à double vitesse. Toi, tu Mais t'es pas si. encore remis de sa traîtrise, hein. Non. Il a fait quoi comme traîtrise, Lexan? Je sais même plus, mais je sais qu'à la fin, il a fini avec le pseudo de Palpatine. Mais en soi, non, sinon c'est propre. Ah, je reconnais cette touffe qui est ici. Parce que quand il m'a envoyé du sable pour son Dark Vador, je lui ai réenvoyé derrière des touffes d'herbe Games Workshop. Je l'ai vu. Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Oui, alors comme c'est un petit CDA, il n'y avait que 5 ou 6 participants, j'ai pris plus de photos. Là, ça c'est mieux sur du. Bon, je pense que oui, c'est son vernis. Hein. Quand tu regardes, il y avait les mêmes peluches ici. Non, bah pour moi, c'est propre. Non, tu t'es amélioré. Ah, il s'est amélioré, hein, par rapport aux premières filles qu'il nous avait envoyées. Hein. Il s'est amélioré, le con. Hein. Alors, j'ai plus trop l'historique en tête, mais je te fais confiance. Amélioré, hein. Sine, c'est pas. Enfin, tu sais, tabletop, ça veut pas dire parle à va vite. Hein. Enfin, moi, Ça veut pas dire peint comme mourir. je me souviens de mes démonettes. Les démonettes. Bon, alors, je t'avouerai franchement que les démonettes, il y avait quatre couleurs sur la figue, mais. Il y avait de l'elfe flèche pour la peau, Oui, Lexa? Allô? Allô? Petit Lexa? Dites-moi. Non, dis-moi pourquoi t'as plein de peluches sur ta fille? Ah oui, c'est vrai que t'es en colo, Lexa. Ah, mais oui. Dis-moi pourquoi t'as plein de peluches? Ah, parce que. Là, Eltan, il n'en peut plus. C'est la merde de mon côté, c'est pas trop de la merde. Pas compris.
Non, bah sinon, oui, tu t'améliores. Maintenant, il faudrait. Ah, c'est le coton! Ah Ah. bah oui, forcément. On n'a pas tous des mousses. Ah, le coton! C'est en effet une raison Je assez... sais pas si c'est bien permis en tournoi, les figurines cotonneuses. Non, ça va, tu t'es amélioré, Alexa. C'était une Non, non, blague, hein. c'est franchement, ils sont très sympas, tes branchus. Tu t'es amélioré. J'aime T'es beaucoup, amélioré, Alexa. j'aime beaucoup, j'aime vraiment beaucoup ce que t'en as fait. Ouais, alors Mythique. après, je t'avouerai franchement, moi je triche, hein, mes mousses, c'est les mousses qui traînent dans les blisters Infinity, donc Mais non, c'est de la sinon, récup. après, voilà, tout ce qu'il faudrait faire, c'est juste travailler un peu plus, là, ton contraste ici. Ici, par exemple, ça a aucunement la... Comment dire? Ici, passer la deuxième couche, enfin la couche d'éclaircissement, n'est pas rentable, étant donné qu'en fait, si tu regardes par rapport à la lumière, c'est une partie qui est dans l'ombre. Donc tu peux la laisser limite marronner, ça fera une ombre naturelle, et ça comme... Et en plus, tu as l'ombre qui se dessine parfaitement avec la lumière. Et après, ça, c'est du pinaillage, hein, Je dirais que ici c'est pareil, ton trait est un peu grossier ici, mais ça s'améliore au fur et à mesure. Hein. Où est-ce que je pourrais te dire les choses? Ici ça a l'air d'être un peu baveux, un peu pas forcément baveux, mais un peu trop. Ta peinture est d'être un peu trop sec ici. Ça fait un peu des pâtés. Après je sais pas si c'est pas ton vernis qui a potentiellement dégueulassé cette partie-là. Peut arriver. J'aime beaucoup le petit crabe derrière, ou je sais pas ce que c'est. Le scarabée. C'est un scarabée. Mais sinon, ça va, tu t'améliores bien. Tu t'améliores même très bien, je dirais. Ah, le troisième. On est sur un ton glacial. On est sur un branchu hivernal. Un branchu hivernal. Qu'est-ce que tu en penses, Maury? Le lining noir sur le socle, c'est la base. C'est pas faux, elle l'a vu. Voilà. À part ça, il est cool. À part ça, il est cool. Ouais. Non, honnêtement, honnêtement, je fais pas forcément parler technique, parce que je t'avouerai franchement que j'ai pas les figues en main pour vraiment parler technique. Mais en termes de recherche de couleurs, de choix de couleurs, un vrai truc. Et franchement, tes figues, ben, elles claquent leur gueule, quoi. Claquent leur gueule sa mère, comme on dit. Et Vous avez vu, Morrigan parle des mamans. Oui. toi, Bah quoi? Vous avez manqué, hein? non, franchement, t'as un vrai truc pour les couleurs et c'est pas donné au premier peintre, voilà, parce que je pense pas que, hein, je pense que les schémas, tu les as, oh, tu t'es peut-être inspiré, mais t'as pas suivi une recette toute prête, je pense pas. En tout cas, ça me rappelle rien de ce que je connais. Et clairement, bah ouais, c'est réussi, et ça, il faut le dire. Alors ensuite, on est sur les figues de... que je dise pas de bêtises. Alors, que je vous dise pas de bêtises. Tic, tic, tac, c'est DA3. Vitrium, si je dis pas de bêtises. Ouais, c'est ça, c'est Vitrium et c'est des levées Britton. Donc ça, c'est... Il y a des chances que ce soit du King of War. Je connais Oh, pas. merci Ragna pour avoir offert un abonnement à Alexa. Merci beaucoup Ragna. L'argent! Donnez l'argent! Quoi? Je vais pas me répéter parce que sinon j'en ai pour J'ai le toute la soirée droit! avec J'ai le toi. droit, je suis juif! J'ai le droit!
Carte piège. Oui, bah, on le saura. On le saura. Bon, j'ai bah... le droit, carte piège. Là, là, j'ai envie de dire, c'est l'inverse de ce que je disais sur. Les figues de Lexan au début, c'est que bah, le socle, les gens ont le socle. Bah, il y a plein de choses. Moi, alors ça, c'est Vitrium. Tu sais, c'est le copain de Spy. Ouais. Moi, il y a plein de choses ici qui vont pas. Ici, à droite, oui, après, le visage est pas fini. Ouais, c'est un peu... Ça a été barbouillé. Enfin, là, c'est ce que j'appelle du barbouillage à la va-vite. Je m'explique. Ici, en prenant celui qui est à droite, ok, prenons celui de droite là, rien que le visage. Il est ouais. Où le cucu, elle est où la tête? Déjà. Elle est où la poulette? Voilà. Ensuite, je vois que ça, qu'au niveau, vous m'avez manqué vous autres, mais tu nous as manqué aussi, Lexa. Aussi sur la peinture du casque, bah ça a bavé, hein. Ça a bavé, hein, qu'on soit bien d'accord. Hein. Il y a un coup de pinceau qui est parti sur le front. Il fusionne avec son casque. Donc hey. Déjà, pour moi, ça, c'est... Ouais. Hey, oh, les CDA, ils sont là à la base pour pouvoir s'améliorer. Quand je dis qu'il y a de quand il y a de l'amélioration, je le dis. Quand il y a des choses à améliorer, oui, je le dis aussi. Bah là, il y a des pistes. Ne serait-ce que diluer un petit peu sa peinture, quoi. Aussi, mais ça, à force, je le dis tellement qu'on va m'appeler le dilueur coup, après... concrètement, soit vous diluez, soit vous achetez chez Army Painter, quoi. Pareil, au niveau des pompes, là, je sais pas ce que t'as voulu faire, mais on dirait qu'ils ont. Alors, je pense que c'est de la boue que t'as voulu faire, mais ils ont les pieds dans le caca. En soi, normalement, pour avoir les pieds, cousis-toi, pour avoir les pieds avec autant de boue. Tu t'enfonces dedans en général. Tu restes pas à la surface. C'est-à-dire que normalement ta boue elle aurait dû au moins remonter jusqu'aux chevilles. Sinon, c'est que c'est de la boue plus ou moins durcie. Oui, c'est le débriefing du CDS, Victoire. Puis même de la boue, même dans la boue, t'as un peu de verdure parce qu'en vrai, bah, t'as toujours ne serait-ce qu'une petite mousse ou un truc à la con. C'est... La boue, c'est pas juste marron en fait. Ensuite. Parce qu'il y a des choses à dire, au moins. Parce après, c'est... de toute façon, il reste. Si je dis pas de bêtises, après, il reste. L'OFMO, et après, c'est fini. Il n'y a vraiment pas eu beaucoup grand monde sur CDA, donc après, je passerai sur du Total War. Parce que ce soir, j'ai pas forcément l'envie de peindre. Donc. Ça arrive, hein, des fois, j'ai des envies. Il y a des soirs, j'ai pas envie de peindre. Hein. Ici, ça arrive, hein. C'est pas moi qui vais te jeter la pierre, bien au contraire. Non, bah déjà, toi, tu jetterais pas une pierre, tu me jetterais un parpaing, toi. Oh, tout de suite. Oui. Genre, je suis la violence incarnée. Rappelle-moi, t'es quoi ce soir? Une mauvaise flic? Voilà, donc y a pas... C'est ça la bonne réponse? Voilà. Donc y a des raisons, moi, pourquoi tu es surnommé le mauvais flic. Mais non, c'est un très bon flic. Oh, Sancho qui a dit que t'étais violente, j'aurais pas aimé. Oh. Regardez-moi, je suis en train de monter la tension entre les deux là. Oui, enfin tu sais que ça marchera pas. Eh merde. Ici, alors déjà, fais-moi plaisir, Vitrium, tu reprends un marron, tu repasses sur ton arc parce qu'ici t'as bavé, tu reprends un rouge, tu repasses sur le côté parce qu'ici t'as bavé. Pareil, au niveau de ta gestion des ombrages, il faut que les creux de tes vêtements soient plus sombres que les parties saillantes. Non, ça sert à rien de faire des ombres. Ori ? Excuse-moi, je suis en train de boire. Et décédé, paix à son âme. Repose in peace. Non, j'ai juste coupé le micro le temps de tousser et de boire un bon coup. Tu sais que je passerai mes nerfs demain sur les passagers quand je devrais contrôler des véhicules. Oh ! Donc c'est pas moi. Pareil, ici t'as bavé. Faut vraiment que tu maîtrises mieux ton pinceau, Vitrium, en fait. Et vaut mieux faut que tu maîtrises mieux ton pinceau.
Ah oui, je me rappelle aussi de cette soirée quand on. Bah, je crois que de toute façon, la suite, hein, c'est de lui cramer sa mouille. Hein. J'ai chanté du Balavoine quand Oui. ça. Oui. Les skulls sont pas très fines, c'est du King of War. Si je dis pas de bêtises. Si je dis pas de bêtises. Bonsoir Thomas. C'est du King of War, si je dis pas de conneries. C'est en effet au niveau de la finesse, ça ressemble à du du Kingdom. Enfin bref, t'as compris. Oui. Et elles sont certes pas très fines, mais même si elles sont pas très fines au niveau sculpture, il y a toujours moyen d'en tirer quelque chose. Ah, il faudrait. Ah non, mais en fait, je dis pas d'en faire quelque chose de ouf, Lexa. C'est pas d'en faire quelque chose de ouf quand tu regardes ce que je lui fais comme. Cramer avec ma Amber. Quand tu regardes. Quand tu regardes les commentaires que je lui fais. Je lui dis pas que son niveau est nul, je lui dis qu'il a bavé. Je dis pas que justement, il a bavé à la limite. Tu peux très bien obtenir un résultat très potable, même avec des figurines pas terribles. Une figurine comme ça, prenons l'exemple si c'est moi qui peins une figurine comme ça en mode je peins à la chaîne pour Best Marmotte. C'est des trucs que j'aime pas faire. Peindre à la chaîne, hein. Pas peindre pour Best Marmotte. Peindre à la chaîne que j'aime pas faire. Bonsoir, Gédrasul. Donc concrètement, un truc tout con. Un truc tout con. Donc on va garder les mêmes couleurs. D'accord? On va garder les mêmes couleurs. Donc un vert. Le vert ensuite, je l'assombris avec du noir ou du marron. Du noir ou du marron, concrètement. Je reprends pour revenir faire quelques lumières avec mon vert de base. Hein? Avec mon vert de base. Voilà. C'est-à-dire que j'ai juste un pot de vert et... Un lavis noir ou marron, hein, vous choisissez. Pour le bois, bah, je fais marron, noir, marron. Pour la chair, je pars sur une chair naine, qui est une chair rosée qui va très bien avec, avec des soldats sous les forts. Oh, moi j'ai tendance à peindre en elfe flèche. Ouais, mais en fait, c'est deux. Là, je ne parle pas au niveau couleur de la. Enfin, nom de la peinture, je parle vraiment tonalité. L'elfe Oui. flèche est beaucoup plus Ah. clair et beaucoup plus détendu comme peau. Alors que la chair naine est beaucoup plus rougeoyante, donc tu peux t'en servir dans deux cas différents. Oui, bien sûr. C'est. Là, c'est Et vraiment, moi je parle en tant que. j'ai tendance à jouer des À part les Space Wolf, c'est pas des unités qui sont reconnues pour leur vigueur et Bah, rouge, genre alcoolo ou sous l'effort. Et ici, en fait, je passerai un rouge, je passerai une chair naine, un lavis violet, et je viendrai repasser un peu de chair naine sur les parties saillantes. On est à quoi? On est à 4, 5 pots pour l'instant, 5 pots différents. 6 parce que je mettrai les banderoles, je mettrai les cuirs en noir. Voilà, les cuirs ils seraient en noir, la barbe en noir aussi. Voilà. Et pour le rouge, pour garder la même tonalité de rouge que lui, c'est un corn red, je pense. Je mettrai un corn red, un lavis. Le lavis violet, comme ça Ouais. évite de racheter un pot, et je reviendrai repasser les parties saillantes, genre le dessus du chapeau, le dessus du chapeau, faire un petit lining ici, et pour le bouclier, vu que je garde les mêmes couleurs, hein, on va garder les mêmes couleurs, pour le bouclier, je viendrai en fait jouer avec les ombres, ça veut dire que ici, il y a mon boc qui fait une ombre qui fait à peu près un triangle comme ça, là, ça, j'y laisserai sombre. Donc avec le lavis, et là je viendrai repasser mon rouge de base. Et en 7-8 couleurs. Alors moi, non, moi j'utilise pas le Carobor, Lexan, j'utilise le Druchi Violet. Beaucoup plus sombre et aussi appelé le lavis magique. Parce qu'il est utilisable quasiment sur tout. Bah, de toute façon, il y a en lavis, il y en a deux qui sont quasiment mandatoires à posséder. C'est le Strongton de chez Army Painter qui est littéralement tu passes ça sur ta figue et c'est magique. C'en est un point où ils l'ont sorti en version boîte de conserve Ouais, je dans sais, laquelle tu peux faire tremper ta figue dedans. je vois. Mais et voilà, et si on veut garder pour le métal, bah 1 litre d'Elchar de. Vas-y, vas-y. Comme tu disais, le deuxième c'est le c'est un bon violet C'est le Druchi violet. Aussi appelé le lavis magique parce qu'il tourne avec toi. Il tourne avec tout.
Donc Ah oui, non, et mais Lexan, dis-toi que Lexan, j'ai peint des loups sous couche blanche et trois couches de lavis, sachant que les lavis, c'était le light, le strong et le stronger. donc et Et ça leur ensuite a fait une pour le fourrure bocle. superbe. Pour le bocle, bah garder donc les mêmes tonalités, c'est-à-dire lit de belcheur, lavis noir sur tout le bocle, et tu viens reprendre en fait juste les parties du dessus. Et voilà, avec 8 couleurs, je pense pouvoir arriver à même sang que la figurine. Et c'est que j'ai pas parlé d'éclaircissement, j'ai pas parlé de dégradé, j'ai rien parlé de ça, hein, j'ai juste parlé d'un lavis base, enfin d'un base lavis base. Base lavis base, hein, je suis pas allé bien loin. Et pour le coup. En maîtrisant votre pinceau, tout simplement en maîtrisant le pinceau, vous pouvez améliorer, enfin vous pouvez obtenir même avec des figues comme ça, une unité qui rend. Enfin, vous ne gagnerez pas des concours, mais sur une table, ce ne sera pas dégueulasse. Là, ce que j'ai peur pour Vitrium, c'est que s'il tombe contre quelqu'un qu'il ne connaît pas, il va lui faire tes figurines sont dégueulasses. Et ça fait toujours mal à l'ego. Ça fait toujours mal au cœur quand un inconnu vous dit ouais, bah, tes figurines, brof. Alors que vous y avez peut-être passé des heures et des heures. En général, ceux-là, ils finissent avec une claque dans la gueule, mais parce que on juge pas, on se permet pas de critiquer pour critiquer. Bon, là, on va passer, comment dire? Allô, faux, si j'ai bien Voilà, là, on compris. va passer à Lofo. Donc, pour la petite histoire, Lofo a peint tout ça en 2 mois ou 1 mois et demi et a gagné un concours de peinture en duo à un tournoi. Ouais, bah, sans, j'ai envie de dire, c'est le faux, hein. Allez, copain, montre-nous. Aïe, aïe, La aïe. première, ça. Ouais. Et il m'a dit ça, c'est du tabletop. Oui, il y a de l'aéro, Il y a de l'aéro, ça se clairement. voit. Ça se voit qu'il y a de l'aéro. Ça se voit qu'il y a passé moins de temps parce que, genre là, il n'y a pas les muscles qui sont détaillés. Oui, bah, vous voyez ce qu'on disait sur le Strongton, typiquement, tu mets ça sur ta chair, ça te dessine les muscles. Les muscles qui sont pas détaillés, hein. Par La contre, croix du prince démon non plus. la croix non Elle... plus. Après, le choix des couleurs et la Pareil, maîtrise des. un des défauts que je trouve à l'aéro, c'est qu'il fait des. C'est que les. Comment? Les zones qui séparent là où tu as peint l'aéro de là où tu n'as pas d'aéro, l'espèce de dégradé, en fait, qui est tout simplement parce qu'il n'y a plus de. Voilà. Après, moi je sais que je m'y mets à l'aéro, donc on va voir ce que ça donne. Ça n'a pas été retravaillé par derrière, alors que techniquement, si tu veux bien faire de l'aéro, tu retravailles un petit peu par derrière, sinon c'est dommage. Tu remets des petits coups de pinceau sur ton truc, même si c'est très léger, pour casser un petit peu cet aspect aéro. Bon, après, franchement, Ah bah le après c'est du tabletop. lofo, hein, comme je dis toujours, on va pinailler avec lofo, hein, les muscles pas détaillés. Ça, lofo, tu pourrais détailler les muscles, hein, même si je sais que t'as fait ça en 1 mois et demi. Hein. Toute l'armée. Il y a d'autres photos encore après. Hein, tu pourrais faire un peu mieux. Hein. Qu'est-ce qu'il y a qui a modifié un petit peu? Qu'est-ce que je pourrais lui dire? Ouais, à part, en fait, c'est vraiment les muscles qui sont pas détaillés, moi, qui me choquent. On voit les éclairs là-haut qui ont été faits. Il y a quoi encore? On va voir sur les autres photos. Voilà, bah. Non mais dites-moi pas que ce mec a fait ça en 2 heures, quoi. Oh, il n'y a pas tant de taf que ça, hein, dessus. Ouais, non, il n'y a pas de taf là-dessus. Ça se voit ici, il faudrait qu'il Regarde, vienne c'est même la tête repasser. qui déborde largement sur le corps. Tu vois qu'il a été un petit peu à la brutasse. Il a été comme une brutasse, il a fait un effet de masse. Mais Hein. Je là, parle on voit qu'il manque les de cornes. la tête rouge du deuxième à droite. La tête rouge du deuxième à droite. 1, 2. Ouais, ça débordouille un petit peu ici. Ouais. Débordouille un petit peu. Ouais, on peut dire Mais ça même comme en ça. débordouillant un peu, le gars, voilà quoi. Hein?
Bah, c'est sûr que si tu compares ça à... C'était quoi? C'était Vitriol avant? Oui, non, mais oui. C'est... Bah, déjà, ne serait-ce que là, tu sens la différence que peut te faire un... Comment ça s'appelle? Une dilution. Par contre, Une on a maîtrise de retrouvé Monsieur dilution. Propre ici, hein. De quoi, monsieur propre? Bah, c'est un chauve. Ah. Non, mais en soi, bah, de toute façon, je sais que dans le contexte, en fait, je connais le contexte de cette armée-là. Et le Ouais. contexte, en fait, c'est il avait un tournoi, à la base, il avait prévu autre chose, il a genre fait ça en un mois, il a poncé l'armée en un mois. Donc il a pas forcément le niveau que Ah oui, non. il a habituellement. Il a fait ça en mode rapide. Mais même en mode rapide, ça reste un niveau très correct, voire même très bon. Là, on voit les chiens de corps, même s'ils sont un peu flous. Derrière, on a l'armée. Derrière, on a l'armée. Je pense que ça, c'est les troupes de base des corneux. Non mais littéralement, on pinaille parce qu'on connaît le niveau du mec, quoi. Voilà, c'est. Alors pourquoi les traces en fait? C'est parce que Lofo a, je pense, voulu donner. En fait, Lofo, il a travaillé ses socs. Ça veut dire que là, il est allé leur donner de la luminosité en mettant des sprays verts avec un petit trait de blanc dedans pour faire péter en lumière. Mais c'est pour justement travailler les socs. Parce que si les socs avaient été que noirs, ça aurait pas fait travailler. Il aurait pu très bien le faire en brossage. Là, il a préféré le faire à l'aéro. Ça se voit d'ailleurs que c'est de l'aéro. Enfin, ça se voit à la traînée de peinture que c'est de l'aéro. Maintenant que je m'en sers, que j'apprends à l'utiliser, j'arrive à plus ou moins voir comment est utilisé, comment ça marche à l'aéro. Coucou Cyrus, je suis passé sur tes figues au tout début. Bah, moi je le vois très facilement parce que c'est globalement la raison pour laquelle je déteste l'aéro. Donc Et bah c'est moi je vais m'en les... servir parce que l'aéro, pour l'histoire, pourquoi j'apprends à l'utiliser? Parce que j'ai un décimator à peindre. Le machin il fait 10 cm. Hein, 10 ou 15 cm. Au pinceau, j'ai pas envie de décéder. Voilà. Ouais, j'ai pas un Land Raider, hein. Oui, non, mais il y a une différence entre peindre une brique et peindre une figurine dynamique. Voilà. C'est quoi le décimateur déjà? Je vais te le montrer. Alors, attends. Je vais le mettre sur. Non, mais je vais le mettre sur. Warhammer décimateur. Voilà. Il est sur le live. Attends, j'arrive. Oula! Voilà. Au pinceau, j'ai pas envie de mourir. Ok? Et ça fait quoi comme taille ça? Ça doit faire bien son 10 cm facile, je pense. Oh. C'est quoi, c'est dû à par rapport à un dread? Ça doit être une fois et demi le dread. Ou un Ah peu quand même, plus, ouais. peut-être 2 fois le dread, je Pas de pense. bête. Donc au pinceau, j'ai pas envie de mourir. Donc Je peux comprendre. J'apprends à utiliser l'aéro parce qu'en plus il y a des belles plaques où je vais pouvoir m'entraîner, où je vais pouvoir faire des belles choses, il y a des belles plaques. Donc voilà, concrètement voilà. C'est deux anciens dreads, donc ça doit être pas loin de ces. Ouais, ça doit pas être loin de ces 10 cm à peu près. Grosso modo. Ouais, ça reste de la belle bête. Et donc ensuite on a donc ensuite si on regarde bien et voilà toute l'armée. Cet enfoiré a fait tout ça en un mois. Ah. C'est pas le problème, hein. Merci Ragna pour le 30e sub. La vérité, tu as donné encore beaucoup d'argent. Je te rappelle que Lofo, c'est son taf, quoi. Je crois qu'il n'y a pas d'autre taf à côté, donc... Si, si, Lofo. Je crois pas qu'il est peintre au film. Il me dit qu'il peint que pour des potes, en vrai. Peut-être qu'il est Ah peintre ouais? pro. Je sais Il m'a pas. toujours dit qu'il peignait que pour des potes, donc j'en sais. J'ai toujours cru comprendre qu'il avait beaucoup de temps pour peindre, donc... Après, je me dis peut-être des conneries, hein. Mais voilà, quand on voit derrière le buveur de sang, il est top moumoute. Le buveur de sang. Oui, ça s'est remarqué, Ragna, t'inquiète pas. Ah, et toi, t'es en train de jouer T'es... à la Switch, là. Ah non. Si, si, le clac, 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 c'est pas une manette. Si, mais c'est pas la Switch.
Désolé. Mais voilà, concrètement, il a en plus peint deux Endspells, là, deux Endless Spells, sûrement le terrain qui va avec. Le terrain C'est qui va pas avec. des Alors, c'est quoi? C'est les prières, c'est les prières éternelles. Oui, non, mais c'est la même merde. Oui, mais en Donc, c'est termes la de même règles, chose. c'est pas la même merde. C'est la même merde. Bah non, parce que si c'était des. Non, parce que ces saloperies-là, tu peux pas les dispel. Alors que les. Et c'est bien relou. Alors que les trucs. Les sorts, tu peux les dispel. Mais donc Et voilà, on que tu est. vois, toi le nain. Toi le nain. Toi le nain. Oui. Les endless spells, tu peux faire des trucs. Que les trucs de corne, bah tu l'as dans l'os comme tout le monde. Bah sauf quand j'aurai mon codex. De quoi quand t'auras ton codex? Bah selon les dernières rumeurs, il se pourrait qu'un battle tome regroupant tous les nains arrive. Oui, ça c'est pas. Oui, c'est. Oui. Mais c'est même moi qui t'en ai parlé. Mon Mais frère qui m'en a parlé. ça n'empêche que si c'est des prières, bah tu l'auras dans l'os comme tout le monde. Donc voilà. On a fait le tour des photos. Je vous avais dit c'était rapide, hein, celui-là. Hein. Je vous l'avais dit qu'il était rapide, hein, ce CDA-là. Je pense qu'on va finir. Je vais finir sur 1 heure de Total War, je pense. Ouais, une bonne heure de Total War. On va jouer un peu en QB. J'ai craqué, j'ai pris le DLC, tiens. Ah bon? Mais Tu oui. sais que ce DLC est tellement buggé qu'il est détesté par la commu actuellement. Ah ouais? J'ai pas encore lancé le jeu. Il est détesté actuellement. Enfin, en tout cas pour la commu PVP, il est pas aimé parce qu'il. Ah Il est bah. buggé du fion. Est-ce que c'est pire que la refonte de la masse qui a Ah bah là, rendu tu as des qui personnages avait sur rendu chariot. Tu as des personnages sur chariot Tusgore qui roulent sur toutes les armées. Ah ouais, à ce moment-là? Oui, si tu veux, Lexa, envoie-moi une photo, il n'y a pas de souci. Tant que c'est pas une photo de ton corps nu. D'accord, et les photos, c'est pour Astella, mais c'est pas pour moi, quoi. Quoi, tu veux une photo du corps nu de Lexan? Non. Par contre, de son costume de druide, je dis pas non. Seigneur vampire. Mais faut pas piquer ma curiosité comme ça. Bah ouais, je suis curieuse. Mais tu sais qu'on dit que...